وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous poursuivons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture et l'explication du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله تبارك وتعالى a commencé à énoncer les bienfaits qu'il a donnés à Bani Israël et à leur donner des commandements qui ne sont pas spécifiques à eux, qui les concernent et qui concernent tout croyant. En réalité, ces commandements-là sont cités pour Bani Israël, les enfants d'Israël, qui sont les enfants de Yaqub. S'ils sont cités pour eux, c'est pour qu'on en tire des leçons par rapport à tous les bienfaits qu'Allah Ta'ala leur a donnés et comment la majorité d'entre eux n'ont pas été reconnaissants envers Allah. Ni reconnaissants avec leur cœur, ni avec leur langue, ni avec les membres de leur corps en appliquant ce qu'Allah leur a ordonné, sauf très peu parmi eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et cherchez aide dans la patience et la salat. » Certes, la salat est une lourde et dure obligation, sauf pour les khashi'in, croyants humbles. Donc Allah nous ordonne de prendre aide dans son obéissance, dans le fait de s'éloigner de ses interdits, dans les difficultés, dans la patience et dans la salat. La patience, certains mufassiroun, comme Mujahid, disent que c'est le jeûne. Car il y a certains hadiths qui disent que le jeûne est la moitié de la patience. Mais c'est en vérité plus général que cela. Le jeûne entre dedans, mais c'est plus général que le jeûne. La patience, cela comporte trois choses. Premièrement, rester constant dans l'obéissance d'Allah. Patienter dans l'obéissance d'Allah. Car l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, demande une certaine patience. Une constance, car il y a une certaine difficulté à être constant dans certaines obéissances. La personne peut être touchée par la fatigue, par la fainéantise, par un peu de faiblesse. S'il n'a pas de patience dans l'obéissance d'Allah, il ne sera pas constant dans l'obéissance. Certaines obéissances demandent un effort physique, comme le jeûne par exemple, le hajj, ça demande un effort physique, le pèlerinage, et aussi un effort dans l'argent, une dépense d'argent.
Donc la personne qui ne patiente pas, elle ne pourra pas pratiquer le hajj comme il se doit. Même la salat, pourtant c'est léger, comme on va le voir ici. C'est léger pour qui ? C'est facile pour qui ? Pour les gens humbles. Mais pour les gens qui ne sont pas humbles, qui n'ont pas le khushu', dont leur cœur n'a pas été touché par cette humilité et par cette douceur, c'est plus lourd que les montagnes. Quand on regarde comme ça de l'extérieur, c'est quoi ? Quelques mouvements qui durent 5 minutes à 7 minutes. Pour certains, c'est comme des montagnes. Ils disent « j'arrive pas à faire la salat ». Alors que toute la journée, il fait des choses beaucoup plus compliquées que cela. Donc, l'obéissance a besoin de patience. De même, les interdits. Si la personne n'a pas de patience, dès qu'un interdit va se présenter à lui, dès qu'il va être appelé à faire quelque chose qu'Allah déteste ou réprouve, alors s'il n'a pas la patience, il va répondre à cet appel. Donc il a besoin de patience face aux interdits. On connaît l'histoire de Jurayj, cet homme qui était dans la tour, qui adorait Allah et que sa mère est venue appeler plusieurs fois. Il était en salat, surérogatoire. Il disait « Ya Allah, ma salat ou ma mère ?» Puis il ne lui a pas répondu, alors qu'en salat surérogatoire, il aurait dû lui répondre. Puis sa mère était fâchée, elle a fait dua contre lui. Elle a dit « Ya Allah, ne le fais pas mourir avant qu'il voit le visage des Moumissat, des femmes dévoyées. » Alors, subhanallah, les Bani Israël qui étaient pas loin de ce village, ils ont parlé de l'adoration de Jurayj, ils étaient jaloux de lui. Ils ont dit « On va lui envoyer une prostituée pour le faire glisser dans le haram. » Elle est venue, il était en salat. Elle a tout fait pour le distraire, il ne l'a même pas regardé. Il n'a même pas tourné la tête vers elle ou l'écouté. Mais c'est ça normalement le croyant thabit. C'est pas d'abord il regarde, après il se retient. Il regarde pas tout court. D'abord il regarde, après Shaitan il vient le faire au souhait, après il dit « Ah non, il faut pas que je le fasse ». Il regarde pas. Il ne va même pas dans les endroits où il peut être tenté. Comme ça, il n'a pas besoin de se retenir. Alors elle est sortie, cette personne, et elle a été voir le berger, elle a commis la fornication avec le berger, elle a été enceinte. Elle a été mentir, elle a dit « Cet enfant, c'est l'enfant de Jurayj. Jurayj, il a forniqué avec moi. » Alors les gens, ils sont venus, ils ont tapé Jurayj, ils ont détruit sa tour. L'enfant était né quand elle a dit cela. Il a dit « Demandez à l'enfant. » Allah Ta'ala, il a fait parler l'enfant. Il a dit « Toi, enfant, c'est qui ton père ?» Il a dit « C'est le berger. » Et ils lui ont reconstruit une tour. Il a dit « Si tu veux, on te la construit en or. » Il a dit « Non, non, reconstruisez-la moi en terre, comme elle était. » El-Muhim, la personne, elle peut être attirée vers le haram. Mais il prend appui dans la patience, aide dans la patience et dans la salat. Il prend aide auprès d'Allah. Comme Youssouf, alayhi salam, quand la femme de l'Aziz, elle a fermé les portes. Et elle a dit « Je te désire qu'Allah m'en préserve. » Et Allah Ta'ala, il l'a préservé. Ne pas tomber dans le haram, ça demande une patience. L'obéissance, ça demande une patience. Et les épreuves et les difficultés que l'on subit dans la vie, cela demande une patience. Pour que la personne réagisse comme Allah aime et qu'il soit compté parmi les patients. Il y a certaines personnes, quand elles ont une épreuve, il se tourne sur son visage, il a perdu ce monde et l'au-delà. Car quand il est touché par une tentation, la première chose qu'il délaisse, c'est la religion d'Allah. Quand il est touché par une tentation, au lieu de dire « Alhamdulillah ala kulli hal », au lieu de dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », au lieu de dire « Ya Allah, donne-moi la patience dans cette épreuve », il insulte, il casse tout. Il peut même, il y en a même, ils insultent l'islam. Ils insultent Allah, c'est-à-dire ils sortent de l'islam. Allah musta'an. Et la patience dans les épreuves, elle a des degrés. Donc il y a la personne qui ne patiente pas, qui dit des paroles qu'Allah déteste, ou il pense du mal d'Allah, il a une mauvaise pensée d'Allah, que Allah est injuste avec lui, ou bien il fait des choses avec ses membres que Allah déteste. Celui-là, il a perdu complètement. Il a un péché, selon la gravité de ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, et ce qu'il a pensé, et il ne sera pas récompensé de la grande récompense qu'ont les patients. Puis après, il y a le plus bas degré de la patience et des plus hauts degrés, qui sont en trois. Le plus bas degré, c'est la personne qui n'aime pas cette chose qui l'a touché, mais il ne pense pas du mal d'Allah, et il ne dit pas des choses qu'Allah déteste, et il ne fait pas des choses qu'Allah déteste. Il y a un degré supérieur, c'est celui qui est satisfait. Ça ne change rien. Ce qu'il avait, comment il était avant ou comment il est après, yarda, il est satisfait. Il ne déteste pas ce qu'Allah lui a envoyé. Et il y a un degré encore plus haut que cela, c'est la personne qui loue Allah, qui dit « Alhamdulillah, ala kulli hal », qui remercie Allah de cette épreuve,
car il sait que ce qu'Allah va lui donner est beaucoup plus que ce qu'il lui a pris, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Quand il voyait une chose qu'il n'aimait pas, il disait « Alhamdulillah ala kulli hal ». Louange à Allah dans toutes les situations. « Wasta'inu bis sabri wa salat ». Ça ne veut pas dire que c'est permis de demander de l'aide par autre qu'Allah. Ici, on prend l'aide avec des actes que Allah aime. La patience et la salat. La patience, c'est un acte qu'Allah aime. Et on revient vers Allah. Ce n'est pas comme si on avait pris aide auprès d'une créature. Certains vont dire, regardez, il est permis de demander l'aide à des créatures. Car Allah, il a dit, Ista'inu bis sabri wa salat. Ici, ça ne veut pas dire cela. La patience, elle ne s'obtient que par l'aide d'Allah. Et la salat, c'est une adoration d'Allah. C'est adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela ne veut pas dire par là que la personne, elle prend aide ou appui dans une chose qu'une créature n'est pas capable de faire. Ça, c'est un. Deux, il est permis de demander de l'aide à une créature dans une chose qu'elle est capable de faire. Je veux monter sur ma monture, je demande à quelqu'un, aide-moi à monter. N'est-ce pas? La condition en cela, c'est que la personne, elle soit capable, elle soit présente et vivante. C'est-à-dire, on ne demande pas une chose qui est dans son l'incapacité d'un être humain. Par exemple, une personne, elle est en face de moi, je lui dis, fais-moi entrer au paradis. Ça, c'est du shirk akbar. Protège-moi contre mes ennemis. Donne-moi un enfant. Ça, c'est du shirk akbar. Parce que ça, ça se demande que à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, isti'ana aussi. Protège-moi contre telle ou telle chose. Donc, ici, on voit qu'on a besoin de demander l'aide à Allah dans toute chose. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'adh ibn Jabal? Il a dit à Mu'adh, je t'aime. N'oublie pas de dire à la fin de chaque salat, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure des manières. Donc même pour adorer Allah, on a besoin de l'aide d'Allah. En langue arabe, salat c'est la dua. Mais ici, quand il est énoncé comme ça, salat, dans le Coran et la Sunna, et qu'il n'y a pas quelque chose qui vient prouver que c'est autre que la salat que l'on connaît. Là, c'est dans le sens religieux, la salat. Des actes et des paroles précises qui commencent par le takbir et qui finissent par le teslim avec une intention d'adorer Allah. C'est ça la salat. Celle qu'on fait 5 fois par jour, les salawat obligatoires. Mais sinon, dans le sens littéraire du mot salat, c'est dua. Sauf qu'elle a pris un sens religieux maintenant précis. Quand on dit la salat dans le Coran ou la Sunna, on parle de la salat que l'on fait. On ne parle pas de la dua. Sauf s'il y a, comme je vous ai dit, une preuve que ce n'est pas la salat qui est voulue par cela. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un vous invite alors que vous êtes en état de jeûne, fais la salat pour lui. Salat ici, ça veut dire dua, l'invocation pour lui. La salat, c'est parmi les œuvres du corps, l'œuvre la plus importante. C'est la première action, la première œuvre sur laquelle la personne sera questionnée le jour du jugement dernier. Et comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si elle est correcte, tout le reste de ses œuvres seront correctes. Et si elle est corrompue, alors le reste aussi est corrompu. Après les deux attestations, c'est le pilier principal de cette religion. C'est le seul ordre qui a été donné au-dessus des 7 cieux au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour tous les ordres, ils sont descendus sur terre. La salat, Allah Ta'ala a fait élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux pour lui donner l'ordre de la salat. Donc la salat, c'est vraiment l'adoration du corps la plus importante. D'ailleurs, la salat, elle réunit entre l'adoration du cœur, de la langue et du corps. Tout ça en même temps. Comme il a été rapporté dans les hadiths sahihs, rapportés par l'imam Tabarani, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était touché par une affaire ou par une difficulté, il fuyait vers la salat. Aussi, ça aussi c'est rapporté par l'imam Tabarani, et les deux sont avec des chaînes de transmission authentiques. Ali ibn Abi Talib rapporte la nuit de la bataille de Badr. Tout le monde dormait, sauf le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était en salat, en train d'invoquer Allah, de dire, Ya Allah, si tu fais périr ce groupe, il n'y aura plus personne qui t'adorera sur terre. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu an abi, et comme c'est rapporté dans le tafsir d'Ibn Kathir, et aussi avec une chaîne de transmission authentique, il était en voyage et on lui a appris la mort de son frère. Alors il s'est mis de côté et il a fait s'asseoir sa monture et il a fait 2 unités de prière où il a été long. Il a fait une longue salat. Et en partant, en se levant de la salat, pour revenir vers sa monture, il a récité
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ. Il a récité ces versets que nous sommes en train d'expliquer actuellement. Puis Allah Ta'ala dit وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Et certes, c'est une chose très lourde. La salat est très lourde, sauf pour les croyants humbles. Effectivement, الخاشع, الخشوع, c'est le fait que le cœur se soumette à Allah et qu'il s'aplatisse devant sa grandeur et sa magnificence. Qu'il trouve le repos et la sérénité et la quiétude dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens qui ont cette caractéristique, cette qualité dont Allah parle aussi dans Sourate Al-Mu'minun, certes les croyants ont réussi. Lesquels ? Ceux qui sont humbles et humiliés dans leur salat. La salat, ce n'est pas juste des mouvements que l'on fait. Il faut la soumission du cœur. Il faut la quiétude. Il faut l'apaisement du cœur. Il faut que ce cœur il soit touché par la lecture du Coran, par l'évocation d'Allah, par son adoration, subhanahu wa ta'ala. On a déjà cité comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la salat. Et qu'il trouvait son repos et sa quiétude dans la salat. Et qu'il disait à Bilal, apaise-nous par l'appel à la prière, à la salat. Donc la salat est quelque chose de lourd pour les gens qui n'ont pas cette qualité, qui est al-khushu', l'humilité, la quiétude et la soumission du cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Ta'ala explique qui sont les khashi'in. Ce sont ceux qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur et qu'ils vont lui retourner à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-là qui trouvent l'humilité justement dans la salat et la quiétude et le repos, c'est grâce à cette foi qu'Allah leur a donnée et cette certitude qu'ils vont rencontrer demain leur Seigneur et qu'ils vont lui retourner. C'est ceci qui leur donne cette douceur et cette qualité et cette soumission et ce repos du cœur. Et les membres suivent ce repos du cœur. Ici, Allah Ta'ala utilise « الَّذِينَ يَظُنُّونَ ». « الظَّنُّ » en langue arabe, cela peut vouloir dire le doute comme cela peut vouloir dire la certitude. Il y a plusieurs mots comme ça en langue arabe qui peuvent avoir les deux sens opposés selon le contexte et selon la phrase dans laquelle il est utilisé. Et Abvan, il est cité dans le Coran quand il parle des mécréants ou quand il parle qu'ils ne suivent que Abvan, que la conjecture, c'est-à-dire que le doute. Et ici, par contre, quand il parle des croyants et il parle des mécréants qui voient le vrai châtiment le jour du jugement dernier, Abvan, ici, veut dire la certitude. Donc ici, Al-Ladina Abvanoun, ceux qui ont la certitude et non pas ceux qui pensent ou ceux qui ont le doute. Puis Allah subhanahu wa ta'ala rappelle encore une fois aux enfants d'Israël. On a dit que les enfants d'Israël étaient les enfants de Ya'qub. On a dit que les mufassiroun, ils ont divergé, est-ce que les 12 enfants de Ya'qub étaient tous des prophètes ou seulement Yusuf alayhi salam était un prophète. Et il y a une divergence sur cela et l'imam al-Qurtubi et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et l'imam al-Alusi, ils voient que sahih, le plus juste, c'est que ce ne sont pas des prophètes. Donc les enfants d'Israël, c'est dans les enfants d'Yaqub et leurs descendants, dont Yusuf alayhi salam était un prophète et un messager sans divergence. Donc Allah leur rappelle, ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma faveur dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré sur tous les hommes et les djinns existants à leur époque, de leur époque passée, pas de cette époque, pas après l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure communauté, c'est la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par l'imam Tirmidhi, vous êtes la meilleure des communautés, vous valez plus que 70 communautés. Vous êtes les derniers à arriver, les premiers à entrer au paradis. Il les avait préférés, subhanahu wa ta'ala, à l'époque, sur toutes les autres communautés. Car eux, ils ont reçu combien de prophètes, subhanallah. Parmi eux, combien de prophètes sont venus? Combien de messages? Des livres révélés? Est-ce que ça, c'est pas une grâce de la part d'Allah?
Allah Ta'ala, il dit, Allah, il vous a comblé de bienfaits quand il a envoyé, suscité un messager parmi vous qui vous récite ces versets et qui vous purifie. Donc de même, Bani Israël, ils ont été gratifiés de cela auparavant. Comme il a été cité dans le Coran, Allah Ta'ala, il a fait parmi eux des prophètes et qu'il les a préférés sur tous les mondes, comme ils sont venus dans d'autres versets. Donc c'est ça, quand Allah Ta'ala dit, oh, enfants d'Israël, rappelez-vous de ma faveur dont je vous ai comblé, c'est ceci. Cette faveur de la guider, des messagers, des livres révélés, des rappels, c'est la meilleure des faveurs. Il n'y a pas une meilleure faveur. Mais, subhanallah, ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah. Et c'est pour cela qu'Allah nous raconte leur histoire, pour qu'on en tire une leçon. Nous, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous a comblés de faveurs, nous a envoyé le meilleur des hommes, le meilleur des messagers. Et il nous a révélé le meilleur des livres. Et il nous a préférés sur toutes les communautés. Nous aussi, si on n'est pas reconnaissant, alors tout ce qu'Allah Ta'ala blâme les enfants d'Israël dans leur comportement, cela s'applique sur nous. Car nous aussi, Allah nous a comblés de bienfaits. Et si on n'est pas reconnaissant, nous aussi, on mérite le blâme d'Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, dans le sens des versets, « Et redoutez un jour, c'est le jour dont Allah ta'ala parle ici, c'est le jour du jugement dernier, où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et on ne recevra d'elle aucune compensation. » Et ils ne seront point secourus. Donc avec ce verset, Allah Ta'ala montre que toutes les causes qui peuvent amener un bien sont coupées. Et toutes les causes qui peuvent repousser un mal sont coupées. Quand Allah Ta'ala dit, redoutez un jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre. Allah Tabaraka Ta'ala a déjà dit ça dans d'autres versets. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où ni un père ne peut aider ou suffire à son enfant, ni même un enfant à son père. Si un père et son enfant, ils ne peuvent pas s'aider les uns les autres, qui va t'aider ce jour-là? Et dans d'autres versets où Allah tabaraka wa ta'ala dit que chaque personne sera occupée ce jour-là par ses propres affaires, par son propre cas, et plusieurs hadiths qui citent cela. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession. Ça, c'est l'intercession réfutée. C'est qu'Allah Ta'ala ne permet l'intercession de personne pour les mécréants. Et que l'intercession, elle est que pour ceux qu'Allah agrée. Et après la permission d'Allah. Qui peut donc intercéder auprès de lui, sauf avec sa permission? Et ils n'intercéderont que ceux dont Allah est satisfait d'eux. Donc personne ne peut avoir l'intercession de quiconque, si ce n'est par la permission d'Allah awalan. Qu'Allah permette l'intercession. Puis, cette intercession, elle n'est permise que pour une personne qui est agréée d'Allah. Et un kafir, il n'est pas agréé d'Allah. Et ceux qui font du shirk akbar, ils ne sont pas agréés d'Allah. Donc les gens qui vont chercher l'intercession en adorant les saints ou les tombes, ou le prophète, ils ne sont pas agréés d'Allah. Et si ces gens sont vraiment des saints, ils vont se désavouer d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se désavouer d'eux. Et ils n'auront droit à l'intercession de personne et leur place sera l'enfer éternel. L'intercession, pour la gagner, il faut gagner la satisfaction d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se réjouit le plus de mon intercession le jour du jugement dernier, c'est celui qui a dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. C'est-à-dire celui qui adore Allah sincèrement, en lui vouant un culte exclusif. Celui qui a le tawhid, et non pas un mushrik. Donc, Allah Ta'ala a nié le fait que quelqu'un puisse t'aider. Il a nié le fait que quelqu'un puisse intercéder pour toi. Et on ne se recevra d'elle aucune compensation. Pareil, il a nié le fait d'accepter une compensation. Quand il y a des prisonniers, ou une rançon, on peut libérer un prisonnier ou un esclave ou je ne sais quoi avec une rançon. On paye une rançon et la personne, elle est libérée. N'est-ce pas? Le jour du jugement dernier, si le mécréant donnait la terre entière, s'il la possédait, on n'accepterait pas de lui cette rançon. Donc, ni d'amis, ni d'intercesseurs,
ni aucune rançon n'est acceptée, ni compensation, et ils n'auront pas de secoureur. Aujourd'hui dans ce monde, si une personne connaît un homme ou un groupe de gens qui sont forts ou qui ont une certaine puissance, dès qu'il a besoin d'aide, il leur demande aide. Ils viennent à son secours. Ils le défendent contre ses ennemis, contre les gens qui lui veulent son mal, qui pourraient lui nuire. Même dans le monde des causes, Allah Ta'ala a fait cela par la permission d'Allah. Mais le jour du jugement dernier, il n'y a aucun secoureur. Personne. Personne ne peut venir te défendre contre la volonté d'Allah, contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset-là est venu enseigner aux hommes de couper leur attachement aux créatures et de s'attacher au Créateur subhanahu wa ta'ala. De s'en remettre à lui et de savoir que la seule chose qui pourra les aider ce jour-là, c'est leur foi et les bonnes actions, c'est qu'Allah soit satisfait d'eux. C'est qu'Allah soit satisfait d'eux. Dans cette vie-là, si l'homme n'apprend pas au moment des malheurs à prendre appui, à prendre aide auprès d'Allah par la salat, puis par la patience, s'il ne s'attache pas à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde pour se corriger, pour demander à Allah de l'aide, pour être un bon croyant et s'éloigner des péchés, alors il ne pourra pas attendre le jour du jugement dernier une aide. Car la seule aide qu'il aura ce jour-là, c'est l'aide qui parvient d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul rabbi zidni ilma.